Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube My Vacation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur les forfaits boissons des croisières MSC. C'est vrai que c'est assez difficile de s'y retrouver et de faire un choix, donc on a décidé aujourd'hui d'éclaircir un peu tout ça. D'autant qu'il y a eu récemment encore des changements au niveau des forfaits. Première chose que vous devez savoir, c'est que les occupants d'une même cabine devront choisir le même forfait. Si une personne ne consomme pas d'alcool et que l'autre personne en consomme, eh bien le forfait le plus élevé sera appliqué pour toute la cabine. Deuxième chose importante aussi à retenir, c'est qu'il n'existe pas chez MSC de formule tout inclus. Même avec le pack le plus élevé, il y aura toujours des suppléments. Sachez que chez Costa Croisière, ils proposent une formule tout inclus, mais celle-ci n'est pas réellement tout inclus, il y a aussi des suppléments. Donc on va essayer de passer en revue ces différents forfaits. Il en existe 5, le forfait Easy, le forfait Easy Plus, le forfait Premium Extra et deux forfaits sans alcool, à savoir le forfait sans alcool adulte et ce qu'ils appellent le forfait minor, c'est-à-dire pour les enfants de 3 à 17 ans. Et on va commencer par le premier dans la liste, à savoir le forfait Easy. Le forfait Easy coûte 32 euros par personne et par jour. Pour une croisière de 7 jours, ça représente un budget de 224 euros. Pour ce prix, vous pourrez choisir dans un panel de boissons comme les vins maison au verre, la bière pression Heineken, la bière sans alcool, quelques cocktails classiques comme la margarita ou la piña colada, à savoir que ces cocktails n'y étaient pas dans les versions précédentes du forfait Easy. Le martini, des cocktails sans alcool, des jus de fruits au verre, de l'eau minérale en bouteille, ainsi que les boissons chaudes classiques, expresso, cappuccino, café latte, thé, etc. Donc passons au deuxième forfait, il s'appelle le forfait Easy Plus. Et cette fois-ci, vous pourrez choisir des boissons qui vont jusqu'à 8 euros. Il en coûtera 44 euros par personne et par jour, soit 308 euros la semaine. La différence avec le forfait précédent, c'est que cette fois-ci, vous pourrez choisir de la bière en pression et en bouteille de différentes marques. Vous pourrez choisir dans une sélection de cocktails classiques et glacés. Et vous avez une réduction de 10% sur les bouteilles de vin achetées à bord. Le troisième forfait s'appelle le forfait Premium Extra. Il coûte 62 euros par jour et par personne, soit 434 euros la semaine. Pour ce forfait, vous pourrez choisir dans une liste de cocktails plus large, plus variée. Vous pourrez également choisir parmi les spiritueux, une sélection de vins et de champagne. Et enfin, vous pourrez vous servir dans le mini-bar, que ce soit les snacks et les boissons. Vous avez aussi le room service inclus, sans frais supplémentaires, ainsi que les boissons comprises dans les restaurants de spécialité. Vous aurez aussi 25% de réduction sur une sélection de vins et de champagne vendus à bord. Il faut savoir que c'est la formule qui s'applique au Yacht Club et c'est enfin la formule la plus élevée. Sachez enfin que ces trois forfaits ne sont pas applicables dans les lieux signatures comme le Lavazza Coffee Shop par exemple, le chocolatier, crêperie et glacier. Passons maintenant aux deux derniers forfaits, il s'agit des forfaits sans alcool. Le premier forfait est celui qui est pour les adultes, il coûte 23 euros par jour et par personne, soit 161 euros la semaine. Vous pourrez choisir donc parmi les soft drinks, à savoir les cocktails sans alcool, les sodas, les boissons énergisantes, de l'eau minérale en bouteille, de l'eau aromatisée, les jus de fruits en bouteille, ainsi que tout ce qui est café, chocolat chaud, thé et crème glacée, mais toujours pas dans les lieux signature. Le dernier forfait est donc le forfait minors, c'est-à-dire un forfait réservé aux mineurs pour les enfants de 3 à 17 ans. Ce package coûte 15 euros par jour et par personne, soit 107 euros par semaine. Il inclut une sélection de cocktails sans alcool, soda, boissons énergisantes, eau minérale en bouteille, eau aromatisée, jus de fruits, boissons à base de café, chocolat chaud, thé bio, ainsi que les crèmes glacées. Première constatation, c'est que entre 2019 et 2022, les forfaits boissons ont subi une augmentation autour de 15%. Par exemple, le forfait sans alcool adulte était à 133 euros en 2019 contre 161 aujourd'hui. Ou encore le forfait sans alcool enfant était à 98 euros en 2019, il est à 107 euros. Enfin le forfait Easy, qui est quand même le forfait le plus vendu par MSC Croisières, était à 203 euros contre 224 euros en 2022. Donc voilà, on a fait le tour des 5 packs boissons vendus par MSC Croisières. On va essayer de comprendre maintenant où les utiliser.
comment les utiliser et puis surtout peut-être lequel choisir. Nous allons nous appuyer sur trois exemples, le MSC Fantasia, le SeaView et le Seaside, sur lesquels nous avons voyagé. Vous pourrez utiliser votre forfait dès le jour de l'embarquement, dans tous les bars principaux par exemple, comme ici le Fantasia Bar. Le SeaView Bar. Ou encore le Seaside Bar, c'est dans le hall central, là où se passent toutes les soirées et certaines animations musicales. Vous pourrez également l'utiliser dans quantité de bars thématisés. On arrive au niveau du Manhattan Café. Que vous pourrez commander des doubles sans frais supplémentaires. Ça, c'est le Martini Drive. Quoi ? Et puis ça, c'est au Civi Rouge et Martini Blanc. Des cacahuètes. Vous pourrez également commander vos boissons dans les bars qui se trouvent autour des piscines. Le bar. Panorama bar. Voilà. On est au Jungle Beach bar. À côté de la Jungle. Vous pourrez consulter la carte des boissons ou scanner le QR code afin de la visualiser sur votre téléphone par exemple. Thank you.
Honnêtement, vous avez vraiment la possibilité de ne pas dépenser plus parce qu'il n'y a pas vraiment de restriction de lieu pour les utiliser. Donc le troisième lieu dans lequel vous pourrez utiliser votre forfait, c'est bien évidemment le restaurant principal. Sur le Sea View, on vous attribuera une table soit au Silver Dolphin qu'on voit en ce moment, soit au Golden Sand. Sachez qu'il n'y a pas de bar dans les restaurants principaux, ça veut dire que vous ne pourrez pas commander des boissons un peu spéciales comme des cocktails. Il n'y a pas non plus de carte des boissons. Le serveur prendra votre commande directement et ça se limitera à de l'eau plate ou gazeuse, des sodas, du vin dont vous choisirez uniquement la couleur. En effet, vous ne pourrez pas choisir dans une carte des vins, sauf si vous souhaitez l'acheter en supplément. Le serveur vous servira donc directement au verre et vous pourrez voir la bouteille seulement si vous le demandez, mais vous ne pourrez pas la choisir. Parlons maintenant des buffets. Donc, il y a toujours un bar dans les buffets pour la préparation de vos boissons. Mais sachez que ça se limite aux mêmes boissons que j'ai énumérées précédemment, à savoir aux plates ou gazeuses, soda, vin au verre et bière par exemple. Sur les tables, vous trouverez des buzzers qui vous permettent d'avertir le serveur que vous souhaitez commander. Ça, on l'a fait. J'ai dû le faire deux fois sur le MSC Fantasia, ça ne marchait pas trop. Alors en pratique, comment ça marche? Vous vous rendez au bar directement pour commander, ou lorsque vous êtes à table, vous appelez le serveur qui viendra donc prendre directement la commande. Il prendra votre carte de croisière ou votre bracelet, si vous êtes équipé d'un bracelet. Et il vous fera signer un ticket qui prouve que la transaction a eu lieu. Vérifiez bien le ticket pour voir s'il n'y a pas de supplément. Quatrième possibilité, avec les forfaits Premium Extra, vous avez également la possibilité de vous servir directement en cabine, dans le mini-bar. Snacks et boissons sont à volonté sans supplément. À l'intérieur, vous avez des boissons, des soft drinks et des boissons alcoolisées. Avec de l'eau, de l'eau plate, de l'eau gazeuse et des petits gâteaux apéritifs. Parlons maintenant un peu Yacht Club, puisque nous avons pu l'expérimenter. Sachez que le forfait boisson qui s'applique est le Premium Extra, donc comme je l'ai expliqué plus tôt, vous avez toutes les boissons jusqu'à 13 euros, ça inclut le champagne par exemple, beaucoup de spécialités à base de café, et sachez qu'il y a aussi un petit buffet de mise en bouche qui est à disposition des clients. Nous avons pu voyager dans la catégorie Yacht Club grâce à une très bonne réduction, si bien que le prix d'une cabine balcon avec les forfaits boissons avoisinait le prix d'une cabine en Yacht Club, avec forfait Premium Extra inclus. Le personnel est aux petits soins. Dans une prochaine vidéo, nous vous expliquerons les avantages de voyager en Yacht Club.
Avec le forfait Premium Extra, n'hésitez pas par exemple à commander vos cocktails directement depuis votre cabine. Alors, petites astuces. Il faut savoir que dans les buffets, il y a des machines à disposition, donc en libre-service, avec du café, des jus de fruits, du chocolat, du lait, etc. Mais vous avez accès avec votre forfait, depuis le forfait sans alcool jusqu'au forfait Easy et ainsi de suite, à des jus de fruits en bouteille qui sont de bien meilleure qualité, à des cappuccinos, à des boissons à partir de café et de chocolat. Donc il ne faut pas hésiter à demander au serveur et ce n'est pas en supplément. Juste pour rappel, les jus qui sont proposés dans les machines que vous voyez là sont de bien piètre qualité en général. Autre astuce, ne pas hésiter à consulter le planning quotidien, ce qu'ils appellent le daily program, puisque vous aurez accès à des offres au quotidien. Vous pourrez peut-être prendre un forfait basique et goûter une sélection d'alcool divers et variés pour un prix très compétitif. Autre astuce, depuis le téléviseur de votre cabine, n'hésitez pas à vérifier quotidiennement l'état de votre compte MSC Croisière pour éviter les mauvaises surprises. Important à savoir, avec les forfaits qui vont jusqu'au forfait Easy, vous avez droit à un décompte de 7 bouteilles d'eau par personne et par semaine. Il faut bien penser à les récupérer avant le dernier jour, parce que le jour du débarquement, ce ne sera pas possible. Pour conclure, il n'y a pas de bonne ou mauvaise formule. En fait, tout dépend de vous, de votre consommation. Si vous ne consommez pas d'alcool, aucun intérêt à prendre une formule comme la formule Easy ou Premium Extra par exemple. Une formule sans alcool suffira donc tout à fait. Par contre, il faut savoir que pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, la formule Easy convient tout à fait et que vous avez déjà accès à une panoplie de boissons qui est très large. Et pourquoi ne pas hésiter un soir à payer en supplément un verre pour vous faire plaisir. Voilà. Voilà, cette vidéo se termine, on espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires, nous y répondrons. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut si elle vous a plu, à vous abonner, c'est important, et à activer la cloche des notifications pour être au courant dès que nous postons de nouvelles vidéos. On vous dit à très vite sur la chaîne My Vacation, prenez soin de vous, ciao ciao.